Protostar Corporation n'est pas responsable des blessures pouvant survenir lorsque vous vous précipiterez pour profiter de cette offre limitée dans le temps. Salut les viewers, c'est Marcus Bonus. Et bienvenue à la plateforme sur l'épisode de Wildstar. Donc on entre dans le jeu, chers amis, avec notre cher homme du Dominion. Et nous allons continuer l'aventure. Alors j'avais... Est-ce qu'on est censé rentrer là ou pas? Oui, ça a chargé, c'est tout. Ok. J'étais censé donc farmer l'équipement, enfin les comment, les différentes ressources que nous n'avions pas eues. Hop. Donc déjà, récompense de connexion disponible, on va récupérer ça. Déco. Est-ce que ça veut dire qu'on a déjà actuellement une maison? De combat. Bah, bizarre. Bref, il nous faut donc une quantité complètement incroyable de compos pour fabriquer, il me semble, ça. Câblage en fer, deux cellules énergétiques. Cellules énergétiques, les voici. Ça devrait suffire. Et donc maintenant il nous faudra du fer. Du fer à chier. Alors. Nous allons donc devoir aller chercher ce fer. Je vois qu'on a des quêtes partout. EAM, bonjour. Si tu veux te rendre au sein du groupe, il faut que tu apprennes les rôles de soutien. Je vais te montrer. Entraînement de soutien, soigneur. Nexus est un monde dangereux. Tu auras besoin d'alliés pour affronter ses plus gros monstres en tant que soigneur. Tu dois apprendre à garder tes potes sur pied. Je vais aller travailler mes soins. Ça dans la salle d'entraînement, d'accord. C'est bien ce qui me semblait. Pourquoi pas? Rôle d'un groupe soigneur. Toutes les classes peuvent composer une barre graissée sur les dégâts, mais elles peuvent aussi créer une barre basée sur le soutien. Les actions des arcanéros, des toubibs et des espères leur permettent de soigner leurs dégâts alliés, notamment les membres de leur groupe. Les capacités des soignants à garder leurs camarades en vie les rend indispensables. Au sein d'une équipe. Je suis censé avoir un sort de soin. Hey, tu comptes t'entraîner? Voilà. Ou tu vas juste rester ici à prendre de la place? Il commence à piger le truc. Continue à soigner tes alliés, tout se passera bien. Ok. Voilà, c'est mieux. Très bien, la douche, n'oublie pas de garder un œil sur les caméras, derrière toi qu'il reste au top. Bah écoute, ouais, si tu veux, pas de soucis. Donc j'ai une classe de soutien heal. D'accord, je viens de comprendre en fait. Bonjour. Ah, hey, c'est du beau travail, on finira peut-être par faire le temps un bon soigneur, je crois que j'ai compris. C'est marrant parce que je joue pas souvent soigneur dans un jeu. Pour la blague. Bonjour. Sois béni. Répandre citoyen. La bonne parole. Salutations citoyens, cette glorieuse statue t'inspire, j'ai besoin de toi pour répondre à la bonne parole de l'église de l'éveil. Tâche de convertir ces créatures de brille-poil. J'en ferai mon âme. Alors, ils attendent. Seigneur Orakos, allons le voir.
Alors avant d'avancer plus dans, dans... Un banc d'hommes poissons patibulaires, appelé les Ictiens, vient d'arriver à Elvar. Et le nombre d'enlèvements par des extraterrestres bat tous les records. À ta place, je me préparerai à voir ces sardines de très près. Figé. Bonjour. As-tu la moindre idée de qui je suis ? Je suis Seigneur Oracos, et tu vas m'aider immédiatement. Ma fille a disparu et le bouffon que j'ai engagé pour la retrouver passe son temps à se saouler dans la taverne de la couronne impériale. Que voulez-vous que je fasse ? Ne perds pas un instant, citoyen. Ouais. Alors avant ça, j'aimerais quand même faire la quête de... De l'eau de banane, là. Le symbole, c'est une espèce de pilier qui sort de terre, hein, il me semble, pour tout ce qui est minerai. Loupe de bripoil. Loupe de bripoil. Alors, thé. Le récit de Dominus, le récit d'Evindra. Force. Voilà. Hop. Neutralisation. Ok. Je m'en vais te neutraliser un gros coup, tu vas voir. Ah, j'ai plus le droit. Pourquoi ne puis-je pas le neutraliser celui-là ? Parce que c'est un garde ? D'accord, ça c'est sympa par contre. Non, c'est pas ça. Pourquoi ne puis-je pas le faire ? Ah, parce que c'est pas un loup de bripoil. D'accord. Un lobe de bripoil. Je sais pas comment qu'on dit. Hop les... Hop les. Il en faut encore 5. Tiens, du violet, ça va te changer. Oh, joli aussi. Alors. T'as déjà fait, toi, c'est ça? C'est ça. Ok, un petit peu de violet par là. Voilà. Toi, je t'ai pas encore fait. 80. Plus que 2. Toi, je t'ai pas fait. Idris, noie les étrangers qui ont contaminé les terres de Chastopète. Oui, bah énerve-toi autant que tu veux, y a pas de problème, hein. Et sois converti. Merde, il m'en manque une, du coup. Lui, toi.
En fait, pourquoi? Qu'est-ce que j'ai fouillé? La G, c'est pour fouiller quoi qu'il arrive, en fait. Ok, c'est parti. C'est... Tu m'écoutes? Répondre à la bonne parole. As-tu prêché la bonne parole aux âmes perdues des lopes de Bripoil? Splendide. Espérons qu'ils se soumettront à la vérité de l'église de l'éveil. Je ne suis pas sûr que ça suffira. Va en paix, citoyen. D'accord, ok. Tu es en train de me dire que j'ai fait tout ça pour rien, quoi, en fait. C'est ça, hein. Non, mais soyons honnêtes, hein, c'est ce que t'es en train de me dire. Ah, on voit la une là-bas. Un minerai de fer. Et le fer à 10 sous, c'est pas cher. J'espère que je me trompe pas quand je dis que c'est un minerai de fer. Cassez-vous. Oh, tu veux te la mettre, c'est ça? Même pas péter mon bouclier, gros naze. Non, j'ai pas besoin d'aide. J'ai pas besoin d'aide. Alors. Oula, je sens qu'il me colle au cul celui-là. Oh là là, je sens qu'il va me coller au cul longtemps. D'accord, il y a une bestiole dans le tas. Ah putain, mais... Ah non, c'est bon. Je croyais qu'il l'avait attiré dans son coin. Je trouvais ça saoulant. Qu'est-ce que c'est que ce bouton? Transport rapide, ah, d'accord, oui, exact. Exact, exact, exact. Les événements en direct sont en cours. Ok. Il n'y avait pas un système de maison dans le jeu à la base? D'accord. Donc je dirais que c'est du platine. Donc 20 pièces de platine, 34 pièces d'or, 98 pièces d'argent et 95 pièces de bronze. Il y a le temps. Oh, c'est marrant, j'aurais juré qu'il y avait un... Transaction réussie, si vous le dites. Okay. Bon, si vous le dites. J'aurais juré qu'il y a un système de maison. Bah, peut-être que je l'ai pas encore. Hein. Peut-être qu'il faut être premium pour l'avoir, je sais pas. Ouais, je sais pas. Pas du tout. Devenez un membre utile à la société. Oh, c'est bon à savoir. Quand tu marches sur la route, ta vitesse de déplacement est augmentée. Quand tu en sors, elle est ralentie. Et effectivement, elle est légèrement augmentée. T'as pas bougé d'un pouce, toi, par contre. Hein. Hop, par là. Alors.
Tac. Ouvre, chargez le schéma. Lancez la fabrication. 0% de probabilité d'échec. Voilà, c'est exactement ce qu'il me faut. J'ai fait une connerie la dernière fois. Modulant. Hop, te voilà. J'attends artisanat. Arme basique. Tiens, voilà. Nous serons très probablement cadeau. Amenés à nous revoir. Prêt à t'entraîner ? Commande. Comment il était pour... Oui, d'accord. Non, ça c'est pour... ça c'est les quêtes pour... Comment dire ? Comme dans tes os, vous savez, vous avez la commande, vous réalisez la commande et vous gagnez de l'argent et ça donne en fait des trucs au... D'accord, apparemment je me suis bouffé une salve de soins dans la gueule. Allez voir Torik Antevian au poste de commandement de Torik. Bonjour. Oui, la fureur du grand prêtre. Oh. Ben on va prendre ça. Allô, Perselus, nous avons un problème. Une expédition a été montée pour enquêter sur des ruines Eldan récemment découvertes, mais entre-temps, la tempête s'est abattue sur la zone concernée. Notre équipe a émis un appel de détresse, et je veux que tu ailles voir ce qui se passe là-bas, tout de suite. Fais attention, on ignore ce qui t'attend. Alors... Début du défi. Servez les clients le plus vite possible. What the fuck? Ok. Médaille de bronze obtenue. Ok. Je viens de comprendre. Ok, donc il y a moyen d'avoir l'or. Défi terminé. Hop. Il y a clairement moyen d'avoir l'or. Est-ce que je peux le refaire? Je peux pas le refaire? Alors, bon, c'est pas grave. Raconte. Le célèbre Corgan Dune. Je vais prendre un autre truc, Skitchplanter. Skitchplanter. Oui, c'est ça. Le seigneur Oracle veut que vous bougiez les fesses, un peu les fesses. Eh, ce... Ah, ce bumentard. Le cher Corgan Dune boit un verre et il aura fini de sauver sa fille. Non. Attends, je vais pour ça. Dégrisement. Le seigneur Oracle m'a bien payé pour sauver sa petite. J'ai juste besoin d'une boisson pour m'aider à m'arriver. J'ai un remède spécial. J'arrive pas à croire que je m'apprête à vous préparer une boisson. Allez, Zou, au boulot. Moi, je vais rester ici et faire la... enfin, le guet. D'accord, c'était la chaise. Je croyais qu'il fallait que je récupère les bouteilles. C'est quoi cette quête? Acheter une bouteille d'huile d'oxyène, récupérer une bête de jus de nana, récupérer. Je veux tout entendre. Et j'achète où? Le barman, il me vend pas de l'alcool? Ah non. Ah non, pourquoi il en vendrait?
quelque chose un peu plus près là. Oh putain, je vais devoir buter une voler une bouteille de vin à l'église. Vous êtes sérieux? Oh putain. Cette violence. Oh la gueule. Hop. Merci. Alors, la suite. Voilà. Acheter une bouteille d'huile. Pour ça, laquelle? Apparemment, c'est au mec de droite. La qualité. Général. 1000 oxyènes. Juste pour voir. Armure légère niveau 10. Est-ce qu'elle est mieux que la mienne? Cap en cuir. Oh! Effectivement, ça a l'air mieux que la mienne. Mais y a, je suis en léger, moi, je suis en moyen. Je suis en léger. Si c'est vraiment une cape en cuir, ça peut être intéressant. Ah mais merde, je l'ai acheté. Dommage. C'était pas ce qui était prévu. Succès obtenu. Ok, si tu le dis. Tu le dis aussi. Ok. Ça a l'air cool ça. Pourquoi je l'ai pas? Au niveau de l'holopendrie, parce que j'aimerais voir quand même la différence. Holopendrie. Ici. Débloquer des costumes, cap en cuir. Non, t'attends. Alors ça me saoule. Ça, quand le jeu commence à me dire ah, je te conseille ça. Ah non, de là que ça me fait assez chier sur les. Sur les. Comment. Les. Le téléphone. C'est pas pour que ça. Et non, ça c'est moche. Tous mes casques sont moches. Ok, bon bah c'est pas grave. Hop. Bon, allons donner notre argent littéralement à cet homme. Je voulais voir aussi au niveau de. Du pouvoir spécial en fait. Parce que vous voyez, regardez en bas. Je vais essayer de vous le montrer. Hop, vous voyez, il y a une petite flèche. Je pense qu'on va avoir accès à plusieurs formes en fonction de ce qu'on veut faire. Ouais. On verra bien. Bon. J'avais vu aussi tout à l'heure Journal des défis. Sac de matériel, sac d'artisan. Bon. On verra bien. Bon. Allons-y. C'est bon. Hop les barman. Je suis tout oui, mon chou. Ah voilà, je vais l'appeler la surprise de Marcus Bolus. Salut. Localiser le site du crash. Je suis encore chou. Surprise.
Falloir que tu m'aides pour une fois. Cet appareil de pistage va nous aider à trouver la navette de Lydia. Allons-y. Que voulez-vous dire? Je viens littéralement de vous aider. La paye est misérable, mais d'un autre côté, tu pourras profiter pleinement de mon charme étourdissant. C'est vrai que t'es stylé quand même. Hein. Ou pas à moi avec mes petites coiffures. Alors! Ça me dit pas du tout où tu es, hein. Bon, tiens, une quête là. Adalno. T'as un moment pour discuter? La menace est. Ouais, comme j'ai comme dirais un gros problème avec les monstres piafs qui se paient mes troupeaux de Rohan alentour, tu vois. T'as pas envie de me faire un petit peu d'argent, je vais vous aider. À foi. Pas de pépin. Bon débarras. Tu as du nouveau? C'est censé être par où? Ok. Oh, un chocobo! Alors! Il boit? Ok. Examinons. Il y a de nombreuses brûlures de carbone ici. Pour moi, ça n'a rien à dysfonctionnement. Continuons nos observations. Hop, 140 mètres. Oh, mais c'est qu'il est balèze celui-là! Bouffe! Et bouffe! Voilà, je savais que ça allait suffire. Excusez-moi. Ouah. Encore bien malade, hein. Début du défi. Allez, meurs. Double tuerie. Détruire les œufs. Juste les œufs. Je trouve ça complètement pute. Ça c'est la quête. Il n'y a pas des masses des œufs, hein. Enfin, j'en trouve pas des masses, c'est pas pareil, mais. Si j'en ai vu un là-bas. Alors. Crac, crac. Il va falloir les bouffer, moi aussi, tiens. Il doit y en avoir là-bas au niveau du pic aussi, j'imagine. J'en vois un. Alors. Médaille de bronze obtenue. Il y en a un peu plus par là ou pas? Dégage. Ok. Falloir un peu plus de neuf. 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 Je viens de péter un de tes œufs. Peut-être pas vu. Aussi.
continuer à aller chercher, hein. Hop. Tu l'as neuf dans le coin. Enfin bon, si j'y vais qu'un par un, je suis pas rendu, hein. C'est... Enfin. Ça me semble logique, mais. Là, il n'y en a plus par là. Ah, là, j'en vois un paquet là-bas. Au moins deux. Ok, j'ai pigé que tu m'avais vu. Oh. C'est faux. C'est entièrement faux. What the fuck? Une zone de soin? Il y a un heal dans le coin? Rien par là. Médaille d'argent obtenue! Médaille d'argent, toujours ça de prix. On n'aura pas la médaille d'or, hein, clairement. On l'aura pas. Autant se battre alors. Ça commence à être serré. C'est bon. Un petit coup de heal, ça va nous faire du bien. Alors. Hop. Voilà. 86%, c'est toujours ça de prix. Hop. Il y a des brûlures étranges près de la partie arrière. Peut-être dû à un dysfonctionnement. Alors, viens des filles. Il est balèze celui-là, dis donc. C'est-à-dire que je suis pas aidé, regardez le mec derrière moi. Tiens, soumission. Hop les. Crac. Par ici, toujours l'aventure. Et menacez monstre piaf. Il devrait y avoir moins de monstre piaf à présent. Merci pour le coup de main, c'est le genre de choses qui ne se refuse jamais, ça non. Bah, j'espère bien. Alors. Yo. Exploration débloquée. Ah bon? Bah j'ai pas eu le temps de voir, dommage. Yo!
Dis-moi tout. Approche, donne-moi un coup de main, pauvre bougre. J'admets que je n'ai pas l'air bien engagé. Mais crois-moi, j'ai fait les atterrissages pire que ça, je m'en suis toujours sorti. Super. Enfin, t'emballe pas, ce n'était que le début. Devrait identifier les cadavres. Ah bah oui, j'ai que ça à foutre. Je fais tout ton boulot en fait. Boîte. La chasse au charognard. Une caisse de matériel d'urgence est éparpillée sur le sol. Peut-être bien contenir. Peut-être un lance-fusée. Je vais utiliser les signaux lumineux pour effrayer les Dagon. Hop. C'est pas elle. C'est pas elle. C'est pas elle. C'est pas elle. Tu me cherchais ? La chasse au charognard. Peut-être que je vais devoir prendre. J'ai chassé les dragons du site. Pour l'empereur. Cassez-vous ! Cassez-vous ! Hop là, les bouffes. Oh mais non! Non, je vais pas le faire ce défi, je suis désolé. Hop! J'ai retrouvé le vaisseau au moins, ça c'est cool. Bon, si ça continue, je vais retrouver des cadavres aussi, c'est moins cool. Alors, est-ce que c'est du fer? Non! Titane et un petit peu de fer là-bas, tu parles. Hop. Hop, voilà, tout est. Parfait. Le cadavre, je peux pas le récupérer forcément. Forcément. Ah, il y en a un que je peux récupérer ici ? Non plus. Oh, je suis sincèrement désolé, Chardon. Il me reste 3 vidéos à tourner derrière, ça va être chaud. Ok. T'es mort, c'est bon. Cadavre. Faut que je pense à utiliser plus souvent mon. Ma forme spectrale. Elle n'est pas là, prenons ça comme un bon signe car c'en est un. D'accord. Il y a un village non loin d'ici, moult cuivre. Il me semble, s'il y a sa récolation, il est peut-être allé chercher de la dedans. Bien, allons, village moult cuivre. Tu peux y arriver, je n'en doute pas un seul instant. Alors, système d'AMP, nouvelle fonctionnalité de classe, d'accord. Rang d'aptitude artisanat, passe-temps. Nouveau donjon, il n'y a pas de nouveau sort au niveau 11, dommage. Échec du défi. J'en ai rien à cirer, ça par contre. Alors, faut repartir par là. Hop. Comment je peux passer à côté de ce village ? Par contre, ça pue un peu du cul. Il y a des ennemis dans le village. Tant vouloir vous vexer, hein. Bon, bah écoutez, les amis, on va se laisser là pour cet épisode. Merci de l'avoir regardé. N'hésitez pas à le pouce vériser, le commenter, le partager, vous abonner. Rejoindre le groupe Steam, joueur de la Playroom, si vous voulez retrouver
donc un petit peu l'ambiance de la chaîne sur Steam. N'hésitez pas aussi, si vous souhaitez, à télécharger le jeu, c'est un free-to-play, donc vous pouvez vous le permettre, hein, normalement. Donc encore une fois, merci à vous d'avoir regardé cette vidéo, c'était Marcus Bonus dans la Playroom. A plus pour d'autres aventures, salut les gens. Quelle classe.